Ça nous va le faire la kounya, nous va le remplacer variable yo, ça veut dire titre là, content yo, ou qu'on ait changé. Ensuite, nous va le remplacer yo dans home, dans page d'accueil là. Ok, ça n'a fait kounya pour nous remplacer page d'accueil là. Kounya n'a effacé, n'a besoin un seul parce que là pour for loop, c'est que n'a gain en pile, nous pas besoin écrire en pile HTML, ça veut dire nous pas besoin écrire poésie 1, poésie 2, poésie 3. N'a juste effacé. N'a juste effacé l'autre article. Ensuite, n'a qu'un seul article. Parce que for loop, nous allons mettre un for loop qui permet que l'y prend tout article. L'y prend tout article, l'y mette automatiquement là. Ok, pour nous écrire for loop ça. Pour nous écrire for loop ça. Ok. Pour nous écrire for loop là, n'a. Django ban nou posibilite pou nou gen syntax pou for loop an dan HTML. Ta di nap di se for loop, ta di pou se chak, ta di pou chak obje ki an dan obje list ke nou te kreye. Ensuite, na ferme for loop lan. Ok, nous fermons for loop là. Ok, ça cap gagne qu'on a remplacé par n'a remplacé titre là avec content là seulement. Ok, ça dit c'est object that title. Ça dit ça c'est pour titre article là avec content là avec et ça qui n'a article. Ça dit c'est object that content. Ensuite, nous en forme jusqu'à présent. Nous en forme jusqu'à présent. Ok, on a regardé pour nous si il marche. On a regardé pour nous si il marche dans la page d'accueil. On va retourner dans la page d'accueil. Ok. Là, nous avons un problème avec URL qui te semblait que c'est nous mal écrit. Nous mal écrit. En li gen yon invalid syntax, sa ve di nou pral, nap jis gade nan urls.py, ok la. Ok. Nap wè si li gen menm, ok, li toujou gen menm error lan. Ok, nou pral gade ki sa ki fe sa. Ok, ba se kou nan la ewe, pou ke pa gen ewe anko, se ke nou te manke ajoute virgul sa apre URL, poumi URL lan, kou nan nou wale refresh. Page d'akre lan. Ok, bon, sa nou wè la, nou wè ke, pou ezi la kase di tit nou te gen an, men kou nan li la, answit content nou te gen an tou, men li la tou. Bon mal montre nou nan back end lan pou nou ka wè pi byen. Sa nou te ekri la, se li ki paret toujou. Ok, men tit lan ki se poezi la kay. Ok, bon mette lan P majuskul. Ensuite, mette lan P majuskul. Ok, la kay. Ensuite, content lan. Sa se premier poezi nou, bon mzi. Nou an form kounya. Ok, anpi tou m save li. Eske se m kreyon lot poezi? Bon, poezi de, koman la pa? Ok, bon m tou kreyon lot poezi. Bon m tou kreyon lot poezi. Nan ap ekril. Poezi pam. Ensuite, nan ap slog lan se poezi pam. Ensuite, nou pran imaj. Men, jist. Ok, nou pran imaj. Ensuite, nou bal menm URL lan. Ensuite, nan pe ki sa, se yon lot poezi ke nou ekri. Ensuite, nou bal lè ki se jodi.
Ensuite, nous save les. Ok, nous allons regarder dans le site là qu'on a, c'est là, là. Ok, voilà qu'on a ça, poésie que nous fait créer, c'est lui qui a pas avant, parce que nous te dit ça, ça veut dire c'est à partir de temps, poésie qui nous fait créer, c'est lui qui a pas avant. Ensuite, poésie qui était là déjà, il est là. Bon, j'en ai là, j'en ai écrit titre là avec contenu là, toute la même genre. Ok, dans proche, ok, ça nous va le faire après, nous va le nous cliquer sur lui plus, la capable paraître, la capable la capable nous l'autre page que nous capable ouais tout contenu là avec image et avec image article. Mais avant tout, bon montrer nous code là encore qui c'est là, ça veut dire nous ouais que for loop là, li là, ça veut dire ou qu'a mettre un seul contenu ou qu'a mettre un seul div, ensuite for loop là la prend chaque grain article ou fait, ensuite la météo là. Bon, ça pense juste mi. Yeah, moi c'est l'enfant, mais ça veut dire si moi besoin mettre un paquet un pile article, moi just mettre dans admin et puis tout article qui apparaît dans website. Là, moi pas besoin à modifier code là encore. Yeah, elle dit ou pas besoin écrire un pile code, on juste on div ou gain là, on juste on row ou gain là, ensuite on mettez variable là, ensuite la cabaout tout bagaille là, poésie pam, ensuite poésie la carte. OK. OK.